فنانة رائعة الإبداع، لها في كل ميدان لوحة ذات ألوان، خلدت الأمير وأيدت شعب فلسطين، سفيرة بدون أوراق اعتماد، ساندت العراق بمعارك، فعادت حاملة أوسمة وحب وتقدير لفنها العظيم. هذه بطاقة تعريف السيدة الفاضلة ليلى فرحات. السيدة ليلى فرحات، هل أنت راضية على تقديمي لك؟ وأنا أعرف أنك من مدينة معسكر، من مدينة الأمير، بلد الثوار، وكنت أول جزائرية دخلت هذا الميدان. نعم، كنت أول جزائرية، ولكن سنك هنا هو عبر تاريخك العظيم في المعارض اللي قمت بها. هل تستطيعين أن تقولي عدد المعارض تقريبا؟ درت كتير كتير، درت في الخارج. أنا أعرف في المغرب مع لوناك. نعم. كتير درت في كاع العالم. نعم. مش وحدي. D'abord, il faut avoir du recul pour voir des tableaux. Bien sûr. Il faut être à 2-3 mètres. Et si jamais on veut voir un petit quelque chose, on se met à côté. Mais d'une façon générale, il faut avoir du recul, au moins 2 mètres. Alors, quelles sont vos impressions? Allez-y. Ouais, surtout celui-là, ça exprime la maman qui porte un enfant. Ouais, mais pas seulement que la famille. Parce qu'à travers certaines couleurs qui reflètent d'autres reflets, pas seulement que la famille. Ça peut être la vie, comme ça peut être le pays. Le terme, c'est la paix dans le monde. Alors, la paix dans la famille, la paix dans tout. On remarque un petit regard de paix au-dessus de la maman, parce qu'ils sont un peu sombres. Contrairement à ceux de l'enfant, ils sont fermés. Ça veut dire qu'il est en train de rêver. À une vie meilleure. À une vie meilleure. À travers le regard de sa mère qui reflète un petit espoir. Inch'Allah. Je ne me rendais pas compte, c'est maintenant que je me rends compte. Oui. Et Belize, vous voyez des formes. Parce que moi, je fais d'abord classique de la forme figurative. Comme on voit la chose, je la casse. Parce que ce n'est pas la photo, la peinture. Maintenant, il faut dépasser. Oui, il y a une lecture toujours dans ce tableau. Comme ça, il y a toujours dépassé, il y a un caché. C'est à vous de découvrir. Ouais, découvrir cette pensée. Moi, ça, je l'exprime à ma façon. Et vous pouvez découvrir plein de petites choses. On voit, madame, que vous prenez le temps de regarder la nature. Mais regardez vraiment. Rares sont les gens qui regardent autour d'eux. On voit, mais on ne regarde pas. On ne prend pas le temps de... C'est pas de notre faute, parce qu'on n'a pas été formés. Nos jeunes, là, n'ont pas été formés. La peinture pour nous, il y avait la lecture de la dictée américaine. Il y avait plein de jeunes. On leur remettait le prix, là, enfin, les gagnants. Il n'y avait pas un jeune qui a chef l'exposition. Ce n'est pas de sa faute, parce qu'il n'est pas habitué. Ce n'est pas comme à l'étranger. On a l'habitude de voir des expositions, les parents d'abord, plutôt leurs enfants. À l'école, il y a le mot au jardin d'enfants. Là, c'est pas de notre faute. J'ai fait 2 années de beaux-arts du temps des Français, c'était les événements. Donc c'est comme ça que je me suis formée. Peut-être j'aurais jamais fait de la peinture. Parce qu'il y avait un milieu qui s'intéressait à la peinture à l'époque. Il faut foncer, il faut s'intéresser à tout, à la politique, aux arts, à l'art, à tout. Aux arts, il faut... C'est l'art en général. L'art, ça englobe tout en général. Ouais. En plus, ça fait plaisir qu'un peintre vienne, parce que ce n'est pas la première exposition qui se fait au Centre culturel français. Mais on a rarement, on voit les peintres qui viennent comme ça nous parler. C'est bien.
Enfin, je ne sais pas, peut-être que ça se fait avant, mais je n'ai jamais eu la chance de rencontrer. Parce que les jeunes ne s'intéressent pas. Moi, je viens plusieurs fois ici et les jeunes ne vont pas voir l'exposition. Oui, mais j'aurais bien aimé que vous m'expliquiez de quoi il s'agit, de quoi il parle. Mais quand je vois quelqu'un qui s'intéresse, je viens vite vers lui. Mais les gens nous tournent, ils sont dans la bibliothèque, ça ne les intéresse pas. يعني انواع اخرى من الفن التشكيلي تاع السيده فرحات اللي نحبهم بزاف ويعني وهذا فخر لينا ان فنانه يعني مبدعه يعني بهذه الطريقه موجوده في الجزائر وبالخصوص في مدينه معسكر المدينه اللي نحتز بها لانني من تلك المدينه رغم انني لست متحيزه يعني وانما يعني هذا فخر كبير لنا وللجزائر ولمنطقه معسكر يعني شيء جميل جدا فعلا عجبتني كثير ويعني انا راني نشوف فيها يعني تمثل العائله فعلا وتمثل يعني طفله مع امها وهذا يدل على يعني حبيتي تعبري عن ان العائله مرتبطه بعضها بعض وان الام هنا حنونه على ابنتها وهذا يعني عجبني كثير وحبيت نهدي هذه اللوحه الى ابنتي اللي موجوده في فرنسا واتمنى لك التوفيق في اعمال اخرى وفي لوحات اخرى وان شاء الله نتوما نتفرجوا عليها وناخذوا منها الى اخره سيدتي هذا اللون الأزرق الجميل أنت طبعا من مدينة معسكر ذات التاريخ العريق ولكنك تسكنين وهران منذ مدة طويلة وأنا أعشق مدينة وهران وما يجمع بين وهران واسكندرية هي بلاد على الشاطئ بلاد ساحلية هل هذا له كان له تأثير في أن لوحاتك معظمها باللون الأزرق؟ وأستطيع أن أقول أنني شاهدت مولد عدة لوحات في منزلك الكريم فماذا يعني لك هذا اللون هذه الزرقة وهي زرقة العالم الكبير الفنان الكبير شاغال أليس كذلك؟ شاغال كثير اللي يقولوا لي عندك لي بلو تاع شاغال نعم كثير ناس أنا نحب الأزرق لأنك بنت وهران؟ الباهية وهران؟ لا نحب هذا اللون نرسم به كثير سيدتي الفاضلة أنت تزولتي في عدة بلدان عربية وعدة بلدان أوروبية وتناولت قضايا كبيرة جدا مثل قضية العراق قضية فلسطين واليوم هذا المعرض يحمل عنوان لابد أن نرتاح له كثيرا وهو السلام هذا الاسم السلام لماذا؟ بدون سلام الفنان ما يقدر يدير أي شيء أنت يا كتيبة شاعرة ما تقدريش كنتش لابد أن يشعر الإنسان بالسلام بالطمأنينة حتى يستطيع أن يستعمل قلمه أو ريشته أو آلة موسيقية كل شيء يليق السلام. Pour moi, la littérature et l'art, celui qui écrit et celui qui dessine, pour moi, c'est pareil. C'est kiff-kiff. C'est de la recherche. C'est de la recherche. De la création. Création, oui. Parce que celui qui... Le théâtre, tout ça. Celui qui écrit. Ce n'est qu'une reproduction, tu vois, une reproduction de la vie. C'est comme un peintre aussi qui est avec ses pinceaux et qui reproduit aussi. C'est kiff-kiff, il n'y a pas. Les gens de quartier des pêcheurs. Ça ressemble un peu au vieux port de Marseille. C'est là où tu vois. Moi, avant, quand j'étais là dans cette nouvelle Portugal, les gens plus grands, vous êtes mais c'est que. Mais on peut s'apercevoir aussi du large du temps, parce que c'est de l'orange. Au niveau du ciel, et apparemment, c'est du crépuscule. Que ce soit le coucher de soleil, soit le lever de soleil. Et ça va faire un petit quelque chose.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce tableau, mademoiselle? Qu'est-ce qui vous a plu? Pardon? Il est profond. C'est-à-dire il a un sens profond, il cache en même temps, il montre des... Voilà. Il laisse en même temps un... au vent de, d'exprimer, c'est-à-dire c'est, il a une signification plurielle. Madame, ce tableau m'a interpellée, j'aimerais bien en savoir plus. Vous avez utilisé les couleurs, je ne sais pas, le graphisme, le, mais surtout le regard. Les dames là, elles ont un regard intriguant, en quelque sorte. Ils intriguent, c'est mystérieux. Ça donne envie de savoir plus si vous voulez bien me, en dire plus. Ah ben, c'est le sujet qui, justement, j'ai fait exprès parce que c'est des femmes là qui sont là et qui veulent la paix. Et... Alors on se demande qu'est-ce qu'elles veulent. C'est leur expression qui exprime leur désir peut-être. هناك أشياء أتكلم عنها بعفوية وهي لقاءاتي مع السيدة ليلى فرحات. هناك مسألتان. اللقاء الأول هي رحلة قمت بها مع السيدة ليلى. السيدة ليلى حملت معها لوحات ثقيلة وهي تحملها. ما زلت أذكر في المطار ونحن نحمل اللوحات. كنا مدعوتين إلى مدينة باتنا. هي تقيم معرض أنا أقدم أمسية شعرية وسكننا في غرفة واحدة في فندق تعرفنا على بعض ذهبنا للسوق الفضة مع بعض السيدة ليلى تحب الفضة القديمة يعني ليست الأشكال المستنسخة كما نقول عندما علمت أنها استطعتها أن تقدم لنا لوحات لدواويننا ذهبت عند السيدة ليلى فرحات وقدمت لي ليست لم تقدم لوحة واللوحتين قدمت لي لكل قصيدة لوحة لكل قصيدة من أميرة الحب في النسخة الأصلية هذه مجموعتي الشعرية صادرة عند الغرب في 2002 ثم الترجمة الأصلية باللغة العربية ثم قمت بترجمتها بنفسي إلى اللغة الفرنسية صدرت في 2003 والمجموعتان مزينتان بلوحات فنية رائعة هي للفنانة العزيزة السيدة فرحات ليلى فكل قصيدة بلوحة هذه مع قصيدة تحمل عنوان الراحل في دمي اللوحة الثانية هي لوحة العنوان أميرة الحب ثلاث بطاقات إلى شهرزاد قصيدة عن مدينة وهران أمنحيني شمسك يا وهران والله نشكرك سيدة ليلى يعني مهما شكرتك ما نقدرش الشكر لساني يعجز باش نشكرك دائما شكر يومي كل ما نشوف كتابي كل ما نفتح كتابي أحيانا أتأمل اللوحات وأنظر إلى اللوحات أكثر مما أتأمل ما كتبت من أشعار يعني جد سعيدة بهذه اللوحات الرائعة التي زينت مجموعتي الشعرية المعنونة أميرة الحب وسيدتي في هذا المعرض أجد أنك تناولت المرأة في عدة مواضيع المرأة التقليدية باللباس التقليدي الجزائري وأيضا باللباس العصري كيف يعني هذه أنا نحب نرسم بزاف المرأة نعم لأنها رمز طبيعة شوية نعم بصح المرأة كثير نعشق الرسم تاع المرأة كثير نرسم المرأة مرأة في المنزل المرأة في اللباس تاع المرأة في اللباس التقليدي في اللباس كلش مرأة تشطحت نعم نعم وأنا أعرف أن العادات الجزائرية عندها عادات جميلة عادات العرس عندكم غنية كثير في لباسها أليس كذلك؟ الكوستيم اللباس الجزائري نتمنى ندير الكوستيم اترافير توت الجزائري نعم نعم غنية الجزائر نعم الجزائر غنية جيم بيان لو ترافاي دو ليلى فرحات اون فوا بيان كيا دو ستيل ديريير لي تابلو D'ailleurs,
Ce que j'ai remarqué sur le tableau, on dirait que l'artiste se cache derrière un voile. On dirait qu'il y a un voile sur tous les tableaux, il y a quelqu'un derrière. Spécialement, j'aime celui-là, parce que là, il y a tout un mouvement des danseuses. Et là, c'est un tableau qui dégage beaucoup d'émotions. On voit là, le travail artistique, le mouvement des mains, des robes, des couleurs, elles sont... On a l'impression qu'il bouge. Voilà, on voit le mouvement sur le tableau. Et sur les tableaux, on voit qu'il y a une touche personnelle. C'est un coup de pinceau assez propre à vous. Propre à moi, oui. Il a fallu du temps pour l'approprier. Mmh. Parce qu'au début, on tâtonne, on se cherche, mais après, on trouve... la façon de voir la chose. On dirait que vous faites votre tableau, après vous rajoutez une touche sur, je ne sais pas, comme un voile. Mm-hmm. C'est ce que j'ai remarqué sur tous les tableaux. Je le fais d'abord d'une façon académique, hein, pour garder mes proportions et tout. Et après, je détruis, si vous voulez, le... Là encore, c'est figuratif. Il y a des tableaux où on voit à peine la silhouette. Mmh. Oui. D'ailleurs, on voit que c'est un travail qui demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'intelligence, comme si c'était calculé. D'ailleurs, un peintre doit être un grand calculateur. Alors moi, j'ai eu la chance de voir l'exposition à la maison. Chez elle. En prime time. En prime time. Comme dirait l'anglais. Et ça a l'air un côté intimiste. Maintenant, ça va découvrir ici. Privilégié. C'est un autre œil finalement. Oui. Même si elle change de couleur et tout, on reconnaît tout de suite le style de Leïla. C'est vrai ça. Parce que tu disais, il y avait un mouvement et tout dans les tableaux. Et... mouvement dans les tableaux, ça me traduit très très bien. Exactement. Même quand c'est une nature morte, regarde par exemple, là, il y a des fleurs et tout, et finalement. C'est pas figé. Et puis toi, tu as remarqué ce tableau, là, justement. Oui. Avec les colombes et de la branche et le symbole de la paix, comme d'habitude. Et la femme derrière. Voilà. Puis ensuite, on passe à un tableau que j'aime beaucoup aussi, le coquelicot. Ouais, ça, j'adore. Ça, juste à la veille du printemps, alors. Ouais, ça, j'adore. Ouais. Moi, c'est mon préféré dans cette exposition. Oui, celui-là, c'est mon préféré. C'est mon préféré parce que je l'ai vu d'abord pour la première fois chez Leïla. Il n'était pas tout à fait finalisé. Il n'était même pas encadré. Non. Voilà, il n'était même pas encadré. Et puis, elle m'a expliqué toute la symbolique. Elle a d'abord, si mes souvenirs sont bons, j'espère retraduire un petit peu ce qu'elle m'a expliqué. Elle avait d'abord dessiné la carte de l'Algérie. L'Algérie en devenir, l'Algérie qui est porteuse de paix, enfin, qu'on souhaite la paix pour l'Algérie. D'ailleurs, il suffit de voir toute la lumière dans ces tableaux, c'est dans cette perspective d'espoir. Et donc, se sont greffés dans les courbes, on voit les deux colombes qui transparaissent dans l'abstrait. C'est à la fois abstrait et figuratif. Oui, et puis l'olivier. Donc, l'Algérie en devenir, je l'ai vu ce tableau sous forme d'esquisse, tout d'abord. J'ai vu tous les symboles qu'elle a essayé d'y représenter. Tu l'as vu naître, quoi. Je l'ai vu naître. Alors, peut-être pas tout à fait, je l'ai vu... Il était en phase finale, disons, je l'ai vu alors qu'il n'était pas terminé. Et puis, il y avait également, en transparence, la femme. On ne la voit plus, là, mais moi, je sais qu'elle existe. Donc, toi, tu la vois. Voilà. Donc, c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Sinon, il y en a d'autres que tu aimes bien aussi. Oh, bien, oui, il y avait le coquelicot dont on a parlé tout à l'heure. Et puis, toujours un petit peu les fleurs. أنا أعرف أنني مثلاً عندما أقتني لوحة من السيدة فرحات فهي هناك يعني رمز يعني أنا أعتز بأن في بيتي عندي لوحة من إنتاج السيدة فرحات أنا أعتبرها شهادة تقدير لي وأكبر شهادة تقدير كانت هي الصور اللي شرفتيني فيها أنا وعدد كبير من الكاتبات في وهران هنا بأن كتبنا تحمل لوحاتك الجميلة فهذا أنا أعتبره عطاء بدون حدود أنت سيدة معطاءة سيدتي الله يسلمك وأشكرك كثيرا على هذا اللقاء الله يسلمك ولنا ربما لقاءات في معارض أخرى إن شاء الله إن شاء الله